tout est en 2023. Pour voir la grosse stratégie, tu votes Bango. Après, tu votes Bango, tu vas voir ça. C'est ça qui manque à Tiki, à quoi à Mimé Kéi. On va voir à Tiki, Jean. On va voir le transport. On va voir le transport. Qui s'assemble de salité, salité. On a quoi on dit matin, on dit Koutou. Place de quoi on dit Bango. Tu vas voir ça. On va voir la fondation, ils ont l'état. Les gars, ils ont fait un groupe. 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 Ils ont président de la République. Quartier. Total est lié si quoi à Bangisa, Kinshasa à Bangisa, ma place Mosusu à attendre le toko. Papa, tu as mal à la souffle la maboulu. La main à mon calice à souffle pour la tire à l'ombre à c'est que ça est outil et panaé. Yemoutou, azap, béton et à ma cambognose. En tout, pour éviter, vous amenez mon abosala. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Cri du Peuple. Fidèles téléspectateurs, vous savez que à un moment donné, c'était de manière assez régulière que j'ai fait cette émission où vous nous envoyez des messages, vous réagissiez et pour un bon bout de temps, on le fait quand il y a un dossier important. Cri du Peuple est à la émission et à peuple. Vous voyez combien de fois la situation n'y a pas de base, la situation n'y a pas de terrain. Je vous dis toujours, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo, vous avez une large diffusion. Ce qui m'a besoin de dénoncer, ce qui m'a besoin de bêta ma boko. Fidèles téléspectateurs, moi, Peter Tiani, j'ai créé Perfect Télévision. Avant Perfect Télévision, c'était le vrai journal. Je les ai créés pour des gens en situation difficile. Je les ai créés pour des gens qui souffrent. Je les ai créés pour des gens qui ont besoin d'aide. Pour moi, le métier du journaliste, c'est le métier de celui qui a un minimum vital et qui commence à se battre pour les autres. Ce qui fait mal aujourd'hui, malheureusement, c'est un constat, c'est que tout le monde sait la météo sur base il y a un calcul. Tout le monde sait la météo sur base il y a COP. Il est certes vrai qu'il est important pour tout homme de vivre selon son travail. Mais tout le monde sait que ça COP. Bah journaliste c'est vraiment plein de yoga dans la boutique. Les camboisa le kuta mais bah je les ai mbongo. Bah il faut défendre en gros la TV. Les cambopenesa rouge bon ben c'est bon ben on va pimper la TV bah on peut pimper la TV. Après si on a besoin de ça la montée. Bongo et Zalana Souka Té. Ceux qui sont forts aujourd'hui peuvent devenir de faibles demain. Et ceux qui sont faibles aujourd'hui peuvent devenir de forts demain. La roue tourne. Bande de Gonanga y a pas une victoire. Nayoga Gimbela Nabino. Naébité combien de fois va diffuser l'élément Nabino Ao. Nazala qui secoué un problème de santé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont mais les cris du peuple, les zongi bouillé. Papa, on a eu une victoire et commis société à Sika. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Les libéré qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire. À part qu'on n'a pas une victoire, comme ce qui est grand moulin, ce qui est grand moulin, ce qui est né. Bah, plein de ces belles compatriotes indiens, libanais, na ouest africains, oyo, vous travaillez dans la banque de Congolais. Bah, vous travaillez ton motif pourquoi pour deux fois 150 000 francs, pour 200 000 francs, pour 100 000 francs, mais dans la condition, il n'y a pas si. Même quand c'est soulagé, vous avez un problème. Dans la zone, il y a un dossier. Voilà. Dossier, nous sommes dans la zone de la micro-zone, il y a un dégât qui a bombé dans le Lubumbashi. Il y a une vidéo
pour les banques de gérant. Bah ouais, la matisse mutu, quand on a le bon bachelier, on va bien manger bas. Tous ceux qui ont la matisse mutu, ouais, bah quand il y a bah singa, bah bomi. Na policier, bah au tirer la mutu, pas la police, pas intervenir, tout le monde la police réagir. Bon, j'apprends que le gouverneur Kiaboula a quand il y a malfaiteur en gros. Pour la solution à mon pour la bateau, bah bon, la solution à mon pour comprendre ma naolo. Congolais n'y ont sur place, ça a problème. Congolais n'y ont sur place, ça a problème. Bien à Perfect Télévision. Congolais n'y ont sur place, ça a problème. Bien à Perfect Télévision. Peter Otieni Ngaye. Et je demande aux Congolais qui m'écrivent tous les jours que je ne peux en aucun jour oublier mes compatriotes. Le bonheur et la valeur de ce travail, c'est d'être aux côtés des déprimés, des infortunés, ceux qui sont en situation difficile. C'est ça notre travail. C'est même un apostolat. Et c'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, on a un bisou batou. Je vais essayer de me contenir parce que j'ai reçu un responsable qui est venu avec des enfants que j'ai sur ce plateau. Alors, nous avons tous les éléments. On nous a donné toutes les informations avec tous les documents, toutes les images que vous allez suivre. Et c'est quoi ban abayé, c'est quoi ban abayé parce que on dit que yo lobe la rabatte, yo kote la rabatte. Yo ganga kali kolo place batu ba banga po balobi dossier oyo batu bazo banga na batu na batu a famille na ba camarade na ba jvoka batu nyoso bazo banga batu bazaka na biso na tangu ya esengo zoli kama oyo baba nani bazalaka na yo mawala mtambongo oke ba mtalinga kaka mungulu uzanga parce que batu nyoso betela ko maboko ah président ah grand prêtre. Ah, DG, mon colorosanga, c'est dans le malheur que tu compteras bon nombre d'amis. Du bout de doigt, tu te demanderas, même toi, Brutus, c'est dans le malheur que nous reconnaissons les vrais amis. Mais là, grand prêtre, vrai moutou, moutabatou, si on va faire place, on va tondu autour. Si on va appeler le téléphone, on sonnera tout moment. Je dis, mais ça ne va pas, mais ils n'auront pas signalé à l'organisateur qu'on m'en a passé. Mais ils n'ont pas permis de faire qu'on m'en a passé. Pour laver l'entourage, il y a des gens qui ont été réellement. Fidèle téléspectateur, je reçois des enfants. Des enfants des parents. Papa, non, maman, il y a des gens qui ont été en plateau. Et moi, il y a des papa, non, maman, il y a des gens qui ont. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. J'espère qu'on doit être concentré de l'autre côté parce qu'il y a trop de bruit. Les parents de ces enfants, fidèles téléspectateurs, sont en prison. Et c'est regrettable. Nous sommes concentrés à la télévision. Si les gens ne sont pas habitués à la télévision, pour faire de bruit comme ça, c'est pas intéressant. J'espère que ceux qui s'occupent de l'environnement doivent dire aux gens qui sont aux alentours que nous sommes en direct à la télévision. Et si c'est Patricia, la dame qui présente une émission ici, c'est encore grave. Parce que c'est une professionnelle de médias qui ne peut pas faire de bruit parce qu'elle est un journaliste. Les enfants que je reçois aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, il y a une mission et il y a une mission. Les banques ont une mission et ils ont une mission. Les mission chronique musicale. Les parents de ces enfants, leur père et leur mère, pour la petite histoire, papa a dit comment on est, qui a été béni. Maintenant, on a dit que les enfants qui ont été mis à plateau, fidèles téléspectateurs, les enfants que vous voyez que j'ai reçus aujourd'hui, leur père s'appelle Aboubakar Liondo. On a dit Aboubakar Liondo. On ajoute quoi?
Nzambe Bamungwabi, c'est ça? Ça veut dire quoi? Bon, Aboubakar Liondo, Aboubakar Liondo. On a aimé Abane. Aboubakar Liondo, on a aimé personnellement. On a aimé la vie, on a aimé la vie. Mais on a eu qui dossier? Azana Makal. Makangi, fidèle téléspectateur. Monsieur Aboubakar Liondo est aux arrêts. Il est aux arrêts pourquoi? Les raisons pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui. Monsieur, je suis en train d'arranger mon micro, excusez-moi, fidèle téléspectateur. On est à la télévision, c'est la télé-réalité, merci. Les raisons pour lesquelles Bakangi Aboubakar Liondo. Spéculation est belle la carte. Na bona fongo la bilo musu sa yozason. Na lobi spéculation eza ebelé na kati. Na boyi kokota na kati dossier eza la justice. Aboubakar Liondo babwa ka na minute eza na makala. Aza homme d'affaires. Asala ka ba affaire na ye. Oh ya sala ka ba affaire na ye ngai Peter Tiani na ye bité. Asala ki ba affaire na bato baza puissant na mboka. Ba faire ango eza nini na yebite. Esali ki Aboubakar Liondo na mito to zoloba bakangie aza na makala. Mais personne n'a pité à tsene pesi pasi. Ma bezo kota. Esa ki bano bozo mona fidèle téléspectateur. Ba ko expliquer biso. Ba ola libanda. Problème ya Aboubakar Liondo. Ba memi yango epai ya mwasi na ye na bana na ye. Sadi ba ye kokanga mwasi ya Aboubakar Liondo. Maman Charlène. Ba memi na makala ne na zoloba. Ba kanginda ku bazu bana ba bwaki libanda. Kongo ya Fachi. Na osola lona président de la République na première dame. Ton solo là. Moi, Nazar a posé au team de l'émission direct, maman Denise, pour la roloba à la soupe. Mais maman, moi, la team de l'eau directement, ça pour des raisons que seul moi connais. Mais j'enverrai à des amis qui vous l'enverront, notamment à mon frère Christian Bossem, pour vous envoyer. Parce que je sais que vous aidez les enfants. Moi, je suis mort, je suis mort. Mon Libanais, il y a un salaire au salaire, alors qu'il y a une visibilité partout. Il y a un monde où il y a un cadre marketing qui est très bon. Dans la banne, c'est vrai. Surtout dans le bateau, il y a un bon monde qui est très bon. Surtout dans le bateau, il y a une place où il y a un passe. Il y a un passe, il y a une vie, il y a je me suis construit dans la douleur. Les téléspectateurs, ils ont un bon monde qui est très bon. Ils sont responsables de la banque. Bala ba yelinga na télévision ba yeko loba pananga. Les enfants sont venus pleurer chez moi. Moi qui ai beaucoup d'enfants filles à la maison. Na kotuna bana nini na komisi bana ba responsable ce que oncle, ce que tonton yelinga bango ba bana besoin citer toi qui n'est pas papa Peter ton loba. Elles en ont marre. Rebonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jeannette. Jeannette? Oui. Comment tu t'appelles? Babi. Babi. Comment tu t'appelles? Eliane. Eliane. Comment tu t'appelles? Winner. Visiblement, Winner, tu es la yaya de tout le monde? Oui. Ben, je commence avec toi, Winner. Comment ça va? Ça va, merci. Winner, pourquoi vous êtes venu à la télévision? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous sommes venus ici parce que... Parle un peu fort. Nous sommes venus ici parce qu'on a été nos parents. Et puis, nous sommes seuls. On n'a pas d'argent, on ne part pas à l'école, nous sommes venus parler pour que nos parents soient venus. Comment s'appelle ton papa? Papa Agi Aboubakar, qui a guéri. Comment s'appelle ta maman? Maman Charlène. Tes parents sont où maintenant? Je ne sais pas. Non, on leur a emmené, tu ne sais pas? Non. On était venu leur arrêter où? Devant la porte de la. Devant vous?
Vous avez vu comment on a arrêté papa et maman? Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé un peu brutalement. On dirait qu'on était entre des larmes, qu'on avait vu qu'ils avaient des armes. Quand ils sont venus, on les a fait sortir de la voiture. On a fait sortir seulement papa et puis l'un d'eux montait avec nous. Ils avaient toutes les armes, on était en train de pleurer. Puis on a emmené papa dans une autre voiture. Nous, on est allés nous accompagner à l'école chez les mêmes personnes. Ils sont allés nous accompagner à l'école, puis ils sont partis avec maman et papa jusqu'aujourd'hui. Ils sont partis avec maman et papa jusqu'aujourd'hui. Oui. Après l'école, vous étiez rentrés à la maison? Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on est venu nous faire sortir de la maison. Ils ont pris la maison. On nous a dit qu'ils ont, ils avaient dit qu'ils ont pris la maison. Puis, on est resté dehors. C'est qui ces gens-là? Alors, on n'est pas. Maintenant, vous dormez où? Dehors. Pour tout cela, vous dormez dehors? Oui. Ça te fait comment? Le peu que tu as vu ce qui s'est passé avec papa et maman quand on est venu leur prendre. Ça me fait mal, je n'arrive plus à beaucoup trop penser. D'ailleurs, même, j'ai pas envie d'aller à l'école. Juste envie qu'ils reviennent, qu'on récupère notre maison, qu'on habite quand on était avant. C'est bébé? Oui. Tu as vu comment on a arrêté maman? Oui. Ça t'a fait quoi quand tu as vu comment on a arrêté maman? Ça m'a fait mal au cœur. Qui a arrêté maman? Je ne la connais pas. Maman a fait quoi? Je sais pas. Si maman te regarde, qu'est-ce que tu lui dis? C'est qui? Elia. Tu vas à l'école? Non. Pourquoi tu vas pas à l'école? Parce qu'on a arrêté papa et maman. Tu vis où maintenant, Elia? Dehors. Qui ont arrêté papa et maman? Je ne les connais pas. Tu peux dire un mot à maman, là où elle est, si elle te regarde. J'ai envie qu'elle puisse revenir. À la maison. Oui. Ça va? Ça va bien, merci. Tu avais dit c'est comment encore le nom? Jeannette. Jeannette? Oui. Tu as quel âge, Jeannette? 8 ans. 8 ans? Oui. Tu vas à l'école? Non. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Parce qu'on a arrêté papa et maman. Tu étais là quand on a arrêté papa et maman? Oui. Tu avais vu? Oui. Tu avais vu quoi? Ils étaient rentrés avec les armes à la D'ailleurs, ils commencent à faire sortir papa de la voiture. Après? Après, quand ils ont fait sortir papa de la voiture, puis ils sont partis avec lui. Après, quelqu'un, une personne, et l'un d'eux est rentré à la voiture avec nous. Il est parti nous accompagner à l'école. Comment va maman? Tu l'as déjà vu? Non. Depuis qu'on est parti avec elle, tu l'as vu? Non. Elle te manque, maman? Oui. Elle te manque? Oui. Qu'est-ce que tu lui dis à maman maintenant? Maman, tu peux rentrer à la maison. Tu l'aimes beaucoup, hein, maman? Oui. Qui ont emmené maman? Je sais pas. Maman Denise. Tu connais maman Denise? Non. Tu connais pas maman Denise, hein? Winnie, tu connais maman Denise? Non.
peux lui dire quelque chose? Je ne sais même pas comment encore faire cette émission. C'est pas possible. Je savais que je n'allais pas finir cette émission. Donnez-moi un peu de temps. Hélène, viens bébé, viens, viens ma mère. Bébé, viens. Viens toi. Oui, oui, toi, vraiment. Allez, fidèles téléspectateurs, je ne connais pas le papa de ses enfants. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne connais pas la maman de ses enfants, je ne l'ai jamais rencontrée. Monsieur le Président de la République, je viens accuser des gens. Je viens accuser des gens à la télévision pour ses enfants, ces Congolais qui ont droit à la vie. Des informations en ma possession, leur père, Aboubacar Ndouassa Rabafer, à Salim Affaire, là, pour ta famille présidentielle. Dans la banque, tu es pour la bombe. Mais je présente la République, on cite un de vos frères qui est derrière tout ça. À ce stade, je ne vais citer le nom de personne. J'ai lu un courrier de la maison civile demandant à tout Congolais, ou à Rosala, victime et à famille présidentielle, à dénoncer. Fatih, j'étais rencontré. Je vous ai rencontré, monsieur le président de la République. Vous avez dit à votre propre famille que vous ne voulez pas de trafic d'influence. J'ai suivi ces images. Je vous ai vu moi-même. On a parlé pendant les consultations. Maman Denise, des enfants sont dehors. Leur père a fait un dossier. Il semblerait avec un membre de la famille présidentielle. Que ça ait bien ou mal tourné, on ne sait pas. Que a fait leur mère? Qu'ont fait les enfants? Ça n'est pas dans la zone de la télévision, c'est dans la salle de l'issue, nous tombons à bébé. L'État, c'est la problème de l'Angaï. Pourquoi vous avez un joli Nandakou? Maman de l'Angaï? Ce n'est pas le président de la République, la salle de Mbé, Maman Moka, il faut me soutenir la maman Denise, Maman Anthony. Maman Anthony, vous avez un acquis, c'est quelle justice qui va attaquer la femme et les enfants, ces enfants de la rue? Des filles qui peuvent être violées à tout moment, qui dorment à la belle étoile. Qui va parler pour ses enfants? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. C'est la famille présidentielle qui est citée. On va arrêter les gens. Je m'en fous. Un membre de la famille présidentielle est derrière tout ça.
Monsieur le président de la République, qu'est-ce qui ne peut pas se régler? Pourquoi cette femme? Les images sont dans les réseaux sociaux de cette femme quand elle était encore à l'hypercrime. Ils ont fait 42 jours à l'hypercrime. 42 jours. 5 jours au parquet. Aujourd'hui à Makala, on ravit des véhicules, on ravit toutes les maisons. Tout est ravi. On chasse même les enfants. Ces enfants dorment à la belle étoile. Leur mère, qui n'est ni de loin ni de près concernée, est à Makala aujourd'hui. Qui va parler pour elle? Nous devons nous battre. Nous sommes en banque. Moi, je suis mon oeil. Il y a une chance. Il y a mon oeil à Diem de la Guy. Il y a une chance à monter. Il y a un livre. Nous devons faire la publicité. Nous devons faire un monde à côté. Et c'est inutile. Ces enfants doivent voir des psychiatres, des psychologues pour être traumatisés de ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que ces Congolais ont fait, ces enfants, pour mériter ce châtiment? Qu'ont-ils fait? Ils ont fait quoi? Tous ces pays si bas, Mboko. Tibala kani saranga Peter Tiene na sala boloko. Lelo tibala zapi. Kale va sala madame na mboka o lelo zapi. Kongolo sala misena botola na basi ya batu. Lelo azapi. Mokili atetan zeme wa betela ngoto lota. C'est quoi cette... C'est quoi jeter une femme en prison et les enfants des filles? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est quoi ça? C'est quoi? Je diffuserai ces images autant que je le paie. Je serai à la télévision presque tous les jours. Je dis presque tous les jours. Pour la vie de ces enfants. J'ai des filles, moi. J'ai 3 filles. Moi, à la maison. Cette fille a presque l'âge de l'avant-dernière de mes enfants qui s'appelle Curti. Cet enfant qui est dans mes mains. C'est facile quand c'est les enfants des autres. Mais si c'est tes propres enfants. C'est facile quand c'est la femme des autres. Mais si c'est ta propre femme. Une vidéo circule dans les réseaux sociaux. Emma, tu vas voir une dame blanche allongée sur une chaise. Illustre-moi cette vidéo, fidèle téléspectateur, que j'ai vue dans les réseaux sociaux. Quand je vous parle de la femme qui est aux arrêts, c'est cette femme que vous voyez là. Maman Charlotte, voilà, c'est cette femme. C'est cette femme-là. Remets l'image, c'est d'elle dont j'ai besoin. Tu fuses, c'est cette femme. Frise-moi l'image de cette maman. Frise-moi cette image-là, monsieur à la régie. Qu'est-ce que cette femme a fait, maman Denise? Continue l'image. On va la rendre, elle est en vert. Continue l'image. Passe, elle est là allongée, voilà. Recule. Non, pas ça, elle est là. Non, pas elle. Passe la dame en vert. Elle est là, voilà. C'est la maman de ses enfants. C'est la maman de ses enfants. C'est la maman en vert qui est allongée comme ça. À Salimine. Maman, on a Salimine. Maman, elle a l'allié. À Salimine. À Salimine, maman. Ben, elle est dans le... Remets-moi sur le plateau. Regardez ses enfants. Les enfants de cette pauvre dame qui est là, regardez ses enfants. Regardez ses enfants. Qui ne peut pas parler pour ses enfants? L'état de droit que nous voulons, c'est qu'un papa fait un problème, même si c'est un criminel, même si vous allez les tuer, vous allez prendre sa femme de la maison, le jeter en prison et laisser les enfants dans la rue comme ça. Tu sais qui est du vivant? Arrête l'émission. C'est en 2023.
Bon, bah, il a une stratégie de voter Bango. Après, sur ton côté, Bango, quand tu parles à Sani, il y a un sac qui manque à Tiki, après à Mimé Kéi. On va voir à Tiper Jean. On va voir que tu as un transport. On va voir que tu as un boucani. Qui ça, c'est une salité, salité. On a quoi, on dit, Maté, on dit, Koutou. Place, tu as un peu de temps. Fati Berton, comment Fati Berton est président de la République? Quartier. Total Eli est sur quoi Bongisa? Kinshasa, à Bongisa, ma place Mosusu, à Watande et Toko. Papa, tu m'as dit que tu es un maboulou. Je suis un maboulou. Je suis un maboulou. Je suis un maboulou. Je suis un maboulou. C'est que ça est outil qui est panaé. Yemoutou, Aza, Berton et Macambonios. Retour. Pour éviter, nous avons mené mon arrosala.